Bonjour maman. Oui, j'ai bien eu ton mot et ta clé. Non, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Salut. Deux secondes. T'auras pas de la monnaie sur 5 balles, c'est une nouvelle machine à rendre que dalle. C'est quoi ton problème, pépite? Faut que je le répète combien de fois, j'ai pas besoin de ton aide. Non mais après ce qu'il nous a fait endurer, moi je vais pas retourner vivre à la maison. Et puis je peux très bien me débrouiller sans vous. Hein. Ouais. Ok. Je t'embrasse. Hein. Merci. Mademoiselle Agnès? Bonjour. Vous allez bien? Suivez-moi. Prenez place. Bien. Oui. Vous arrivez à la fin de votre période de droit aux indemnités de chômage. Je vois que les recherches d'emploi présentées pour le mois dernier sont insuffisantes. Il était convenu que vous en fassiez 18. Or, il n'y en a que 15. Et puis, vous deviez nous faire parvenir le formulaire dûment rempli au plus tard le 5 du mois. Or, il ne nous est parvenu que le 7. Vous allez avoir une suspension de 15 jours dans vos droits d'indemnité de chômage. Et comme il ne vous restait plus que 10 jours pour vous toucher... Vous avez des questions, mademoiselle? Non. Enfin, si. Je suis actuellement à la recherche d'un logement et vous comprenez, j'ai pas de revenu fixe pour le moment. Vous auriez peut-être une solution à me proposer? Vous n'avez pas de la famille, des proches qui pourraient vous loger? Écoutez, en ce moment, ma famille et moi, on n'est pas en très bons termes et pour ce qui est de mes proches, j'ai pas envie de les mêler à ça. Et vous savez, il n'y a pas de honte à avoir. Personne n'est à l'abri de ce genre de situation de nos jours. Ce genre de situation, vous dites? Écoutez, c'est déjà assez compliqué pour moi de venir vous demander ça, alors je vous en prie, trouvez-moi une solution, au moins pour ce soir. Prenez cette liste, vous y trouverez des adresses de foyers. Attendez, attendez! Tenez, ce document atteste que vous êtes actuellement sans ressources. Il vous permettra d'avoir accès à l'un ou l'autre de ces foyers. Et n'oubliez pas de prendre votre carte d'identité. Merci. Thank you.
s'il vous plaît. J'étais vraiment dégoûtée, quoi. J'avais juste pas le choix. Je sais pas quoi faire. C'est vraiment dingue. Ça va. Tu peux me casser. Tu peux réclamer cette clé. Qu'est-ce que t'en fais? C'est lui? C'est pas genre de ma joie. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je suis à la recherche d'un logement temporaire. Temporaire? C'est tout le mal que je vous souhaite, mademoiselle. Bon, écoutez. Il est 18h passées, la secrétaire a terminé sa journée. Normalement, les inscriptions seront jusqu'à 17h. Mais bon, ma lettre est correcte. Remplissez ce questionnaire. Joignez-y l'attestation, je vais aller chercher la clé de votre chambre. Monsieur. Je m'appelle Willem, mais ici tout le monde m'appelle Willy. Je suis concierge du foyer. Un peu l'homme à tout faire, quoi. Enchanté, Agnès. C'est par ici, suivez-moi. Ne vous inquiétez pas, je dois les remplacer. Ah oui, les douches communes se trouvent à l'étage supérieur. Voici la chambre que vous allez partager avec votre nouvelle colocataire. C'est pas une chambre individuelle. On n'est pas à l'hôtel ici. Si c'est comme vous dites, votre situation n'est que temporaire. Bonne soirée, Agnès. Genre.
insupportables. Ils ont attaqué le concierge. Ils m'ont vu. Ils arrivent. Qui ça? Je sais pas, moi, des étrangers. Mais tu dis n'importe quoi, attends. Eh, change pas de sujet, sinon c'est moi qui t'agresse, ok? Bah, on se connaît, non? C'est quoi ça? Mais je t'ai dit, il y a une bande de psychopathes dans le couloir. Ils ont certainement tué Willy, quoi. Ils étaient au moins 5 sur lui. Et toi, ils l'ont pas tué. C'est sûrement encore des fachos, ils viennent souvent rappeler par ici. Je sais pas. Message reçu le mercredi 20 septembre à 19h45. Agnès, c'est ta maman. Bon, ça doit pas être simple pour toi, mais tu sais que je t'aime. Ton père aussi d'ailleurs, même s'il ne montre pas, tu sais comment il est. Au fait, t'as trouvé tes affaires à la gare ? Ouais, désolée, je sais que c'est un peu froid comme façon de faire. Mais ton père veut pas que tu reviennes à la maison. Enfin, pour l'instant. Ah oui, ton père, il est au cloué au lit depuis ce matin. Il a dû attraper ce virus. Bon, j'espère que tu vas bien, je te rappelle plus tard. Message reçu le mercredi 20 septembre à 19h55. Agnès ? Bon, tu ne décroches toujours pas. J'imagine que t'as pas envie de nous parler, puis en même temps, c'est mieux comme ça. Enfin, pour l'instant. Ah oui, avant que j'oublie, si tu veux faire usage de ton spray au poivre, n'oublie surtout pas d'appuyer bien fort la première fois, pour casser la sécurité. Bon, je t'aime ma fille. Message reçu le mercredi 20 septembre, à 20h01. Agnès, ton père est devenu complètement fou. Il est comme enragé. Il a littéralement mangé croquette. Je me suis ouvert une recette de bain. Allô? Bon, on va pas rester là à se morfondre. Puis t'avais foutu à la porte, non? Allez, ma fille, il faut te reprendre en main. Ton père a bouffé ta mère et ton kleps. Un chat. Quoi? Croquette était un chat, pas un chien. Peu importe. Dans tous les cas, si t'étais resté chez tes vieux, t'aurais servi de dessert à ton père. Alors j'en déduis que les psychopathes qui rôdent dehors sont cannibales. Alors maintenant, soit on sait se crever de faim dans cette piole, soit on trouve un plan B pour sortir d'ici et on va voir ce qui se passe ailleurs. Je pensais pas te donner raison un jour, mais là, pour mon père, j'ai toujours été un pion parmi tant d'autres. Quand il a plus tous ses millions pour jouer, il a laissé couler le bateau. Il a sauté dans le premier canot de sauvetage et il a laissé crever le reste de l'équipage. Il a eu qu'est-ce qu'il méritait, au fond. C'est pour ma mère et Croquette. Mais franchement, à choisir entre se laisser crever ici ou tenter de survivre dehors, c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra, non? La peste est dehors. Et franchement, quand je les regarde, ça m'apaise. La discrimination, les clichés, les a priori, tout est dissous dans cette masse. J'aime vraiment bien ce qui se passe. Ça me donne presque envie de participer à cette parade funeste. Je trouve que l'humanité est plus humaine que jamais. Mais tu divagues ou quoi? Remets les pieds sur terre, ils sont tous morts. Ils ont englouti Willy comme un vulgaire steak, je te rappelle. Tous venus ici pour la même raison.
combattre l'ordre établi. C'est ça ton plan B? Ah, regarde, ils ont l'air d'apprécier. Mais continue, on va mal finir. Je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça. J'ai la bouche pâteuse, il me faut un truc à boire. En même temps, tu t'es envoyé un tube anti-dentifrice, quoi. Bon, écoute, continue comme ça, ils ont l'air de se calmer. Moi, je vais chercher à boire et à manger. Attends, ils sont peut-être pas tous sortis, donc on va rester à l'intérieur. Ouais, je peux... La cuisine commune se trouve au fond du couloir, à gauche, en sortant. Si tu me trouves de quoi me faire un café. Ok. La journée risque d'être bonne. Ok. D'une habitante de ce si beau pays qui, je l'espère, après un séjour prolongé en ma compagnie, se rendra compte qu'au final, ce n'est pas moi qui vais la bouffer. Oui, on a marre, là. Moi, je ne peux pas me laisser salir par cette racaille, quoi. La victime ici, c'est moi. Pas plus tard qu'hier, elle m'a volé mon téléphone portable, cette délinquante. Ça montre bien la différence qu'il y a entre nous, quoi. Puis j'ai entendu dire que les Roms, ils viennent chez nous que pour nous voler. Et puis que tous ceux qui font la manche font partie d'un groupe mafieux, là. En plus, ils roulent tous en Mercedes, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. L'autre jour, j'ai vu le mendiant unijambiste tourner dans le quartier pour trouver une place de parc pour garer sa Benz. Franchement, t'es ridicule. En plus, c'est pour raconter des âneries pareilles. Bon, je te l'accorde, j'aurais pas dû te le voler, Stéphane. L'autre jour, j'avais vraiment besoin de monnaie pour le bus. Je faisais pas la manche, je gagne ma vie, moi, madame. Moi, je sais très bien comment les gens comme toi, ils fonctionnent, quoi. Tu dis que tu travailles, mais t'aimes même pas déclarer, quoi. Profiter de la bonté de notre pays, et puis vous êtes violents, ouais. Mais des gens comme moi, ils te disent merde, c'est quoi pour des arguments, ouais. Moi, je bosse pendant toi, tu viens de chômage. Il suffit que tu me réaccueilles, quoi. Si tu continues à me répondre de la sorte, moi, je vais te faire passer l'envie de te moquer de l'honnête citoyen, quoi. Ouh.